à la sélection nationale haïtienne senior. Nous avons quitté la Ligue des Nations de la CONCACAF pour nous rendre directement dans West Palm Beach, côté ambiance boule créole, boule haïtien natif natal, seul championnat pour vacances été 2022. Ya. Donc West Palm Beach était bail coup d'envoi, et bien gros événement ça hier. Tu as gagné 3 matchs à l'affiche. Premier, nous connaissons célébrité journaliste sportif Miami qui t'a croisé avec célébrité journaliste sportif West Palm Beach. Match a terminé sur le score de 2-1 en faveur journaliste sportif et célébrité Miami. Et puis, un peu plus tard, tu as gagné match inaugural championnat entre Violette et Sharks Football Club. Donc, Sharks, Jean-Paul l'a dit, a refait encore. Sharks passé Violette, on t'y bagaille encore. Équipe Sharks a dominé Violette Athletic Club par 2-1. Définitivement, Gary Beauville, il a gagné clé. Coach Gabriel Michel Tigana, il a gagné clé. Coach Soto Beauvais, et clé Billy. En somme, Sharks Football Club a gagné clé Violette Athletic Club. Monsieur Violette, yo, t'es bien content de rencontrer Sharks pour d'aller prendre revanche. Puisque nous avons joué, c'est Sharks qui a éliminé Violette en demi-finale, Madame Gougous Haïti Cup 22e édition. Hein? Malheureusement, Violette n'est pas arrivé à prendre revanche. Là. Au contraire, Sharks, quand son petit bagaille, mettez dans mes Violette encore. Et puis, troisième match là, c'était Liancourt qui a joué contre Pompano. Match ça malheureusement pas fini, puisque tu as gagné l'appui, un pile coup de l'orage souterrain et autorité. West Palm Beach, dans le cas où on est West Palm, tu es obligé d'intervenir pour demander aux organisateurs de camper le match là pour cause mauvais temps. Donc, nous ne savons pas qui là et Liancourt pour aller jouer contre Pompano. Mais ça, nous avons dit que la compétition à poursuivre dimanche prochain, si Dieu veut. Donc, c'est pour la deuxième journée. Hein. Delray Football Club a joué contre Soccer Chacha à compter de 4h. Un peu plus tard, soit à 6h. C'est pour le derby de West Palm Beach entre Hope Football Club de West Palm Beach et West Palm Beach Football Club. Tout fanatique boule dans West Palm Beach déjà motivé pour aller suivre deux matchs bullseye. Mon Miami a fait même gens ont débarqué en grand nombre dimanche hier dimanche là pour l'inauguration. Nous pour aller quelques images rapidement, et de nègres, tant que coach Kenol, et Brutus qui était débarqué, Zeno no Pakavala, bon Zeno non lui-même, des bons boules bâton côté le Pakavala, Hans Villefort, alias Jaco, nous débarquons à l'Olac, sur Haïti spécialement pour le devine jouer match ça, et puis gagné Gary Pierre-Paul Charles, le directeur de Scoop FM, monsieur était présent, et nous avons Gary Pierre-Paul Charles, qui était porté couleur équipe West Palm Beach là. Ensuite, et t'es gagné Junior Léger qui était présent, Frédéric Emile, et puis le PDG de Radio Elite Internationale. Bon, ma conseille à football, Gary, t'es venu. T'es venu jouer. Ça, t'es venu faire. En tout cas, si t'es venu voter en bas, c'est le nom là, footballeur, Mkadou, qui n'a pas voulu mais qui t'a joué match ça avec un soulier guest. Donc, PDG, t'es venu, quand il y a un soulier guest, puis monsieur monté sous terre, il s'entendait là. Liva les terrains. Et puis, et Mario est présent également, Wilfried Brutus. Et puis, l'autre célébrité qui était gagné dans le souterrain hier, c'était Jessifra. Oui, Jessifra, bon, Jessifra même en pépin en plume de pan. Alors, c'est après match là, justement. Et Jessifra te répond une question, Zami nous, confrère nous, Wilfried Brutus de Saint-Louis du Nord TV. C'est une belle fête hier après-midi dans West Palm Beach et faites la continuer pendant reste mois juin jusqu'au 31 juillet prochain si Dieu veut. Me rappelez nous affiche pour deuxième journée à dimanche prochain rendez-vous cassé entre Delray Football Club et Soccer Chacha match ça fait à 4h et puis à 6h au Football Club de West Palm Beach pour aller croiser avec West Palm Beach Football Club le derby de West Palm Beach. Donc tout teaser pour tout Joe Canel. Donc, un seul rendez-vous, dimanche 19 juin, West Palm Beach, pour nous bien amuser, nous, à l'issue de deux matchs bullseye et puis pour nous gagner animation musicale. Donc, restez branchés, télé Anacaona, pendant toute semaine, suivez-nous sur la page Facebook, là,
sur YouTube, channel Del Vacadio Bonboul. Abonnez à toutes les plateformes réseaux sociaux, nous, tant que Twitter, Instagram, et YouTube, TikTok, et qu'on soit bien toutes les dernières informations concernant le championnat élite. Là. Et puis, on a profité de vous, un gros big up pour coach Jean-Joseph, coach CDL là. Coach Jean-Joseph qui était présent hier, je regrette que Jean-Joseph pas de match ça. Coach Jean-Joseph était à coucher sous terre. Et bien, vous un garçon, jeune femme, qui a aimé une licence CDL, relève coach Jean-Joseph Kounia dans 561-324-0564 pour les deux. Passez test là et puis soit dans DA, ou abvin boss propre tête. Ou capable pour un texto pour nous, dans 305-206-0022, ou capable d'intégrer Gobaz Boule Delva Galdio sur WhatsApp là, et puis soit dans DA, ou fait partie de téléspectateurs et internautes les plus informés sur le bien sportif. Les branchés.